Bonjour chers amis téléspectateurs, c'est avec grand plaisir qu'on se retrouve pour notre rendez-vous quotidien dans le cadre de Interville. Nous sommes le troisième jour des À Côté du Prime, Corogo, VS, Université de Côte d'Ivoire. Pendant que tu essaies de passer par-dessus... Et 40 secondes. Plus que 15 secondes, c'est peu. C'est pas évident. 15 secondes, c'est peu pour pouvoir terminer. Ce serait vraiment une bonne chance pour l'équipe de Corogo d'arriver. 5, 4, 3, 2, 1. De justesse. D'abord, racontez-nous un peu qu'est-ce que vous avez vécu lors de cette épreuve. Tout est calme. C'est vraiment une épreuve. C'est vraiment une épreuve. Racontez-nous. Vraiment très intéressante parce que nous fait ramener une jetée dans l'eau, tout ça là. Mais ici, nous allons dire aux universitaires que nous gagnons ce match. D'accord. Nous sommes sûrs de gagner. Nous avons perdu peut-être une bataille, mais pas la guerre. C'est bien dit. Deux informations, deux news pour Corogo, deux news pour les étudiants de Côte d'Ivoire. Match nul, un point partout. Quatre pour l'équipe des étudiants de Côte d'Ivoire et deux pour l'équipe de Corogo. Mais la compétition n'est pas terminée. Après les premières épreuves, la joie du début a fait place au calme. On le comprend, les candidats ont conscience de ce qui les attend pour la suite. Le ventre aiguise, premier plongeon. Et les étudiants de Côte d'Ivoire sont les premiers à s'élancer. Ensuite, ceux de Corogo. Une manche pour Corogo, zéro pour les étudiants de Côte d'Ivoire. Second plongeon, 3, 2, 1, go! Et là, c'est l'équipe de Corogo qui donne le top départ. Go! Ah, mais ouais, ça porte les pieds. T'as vu le mec, il plonge jusqu'à quand il entend glisser. Ah, il est resté bien derrière, hein? Oh là là! Le candidat des étudiants de Côte d'Ivoire. 3, 2, 1, go! Si on avait démarré par le fils, ça aurait été bien. Hein. Go! Voyons ce qu'elle fait. La elle fait pas mieux. Elle a réussi à se Non. Parce que dans le nouveau monde, vous avez besoin de parler à vos proches de diverses manières grâce au forfait jour. En fonction de vos besoins, avec le forfait moins intense. Et selon les circonstances, avec le forfait moins zen. MTN vous offre MTN Smart avec ses forfaits tout compris. Communiquez comme vous le sentez et en toute sérénité. MTN, everywhere you go. Pour la réussite de Interville Côte d'Ivoire, il a fallu l'implication des responsables des villes et communes participantes. C'est par exemple le cas de Marcory où nous nous sommes rendus. Bonjour chers téléspectateurs, je suis Laurette Boété. Alors, que pensez-vous de l'émission Interville ? Cette émission est une émission très intéressante parce qu'elle permet aux participants de s'exercer à l'adresse, à l'endurance, au courage et à la détermination. Et c'est une émission qui a besoin d'être encouragée. Dans quelles conditions la commune de Marcory a-t-elle pris part à ce programme télé ? Ben, il faut dire que la commune de Marcory a été sollicitée pour participer. Et comme Marcory, c'est une commune qui ne veut jamais se dérober lorsqu'on lui fait appel, a accepté de participer à quelques jours de cette émission-là. Et donc Marcory a eu juste le temps de réunir des jeunes qui étaient volontaires pour participer à cette émission. Donc, il n'y a pas eu de préparation préalable et ça donnait ce que ça donnait. Mais nous sommes contents d'avoir participé. Un souhait pour la prochaine saison ? Un souhait. Nous souhaitons que nous ayons plus de temps pour nous préparer, un temps conséquent. Et si le programme est su d'avance, vous verrez le résultat que Marcory va donner. C'est sûr que Marcory va emporter ce jeu-là. Parce que Marcory, c'est une commune qui gagne toujours. Merci, madame. Revenons-en à nos à-côtés. Score provisoire, 4 points pour Corogo,
4 points pour les étudiants de Côte d'Ivoire. Plus important, vous avez ramené les 2 points, n'est-ce pas, Korogo? Oui, au fait, c'était le plus important. C'était de revenir à la hauteur des étudiants. Et nous l'avons fait ce soir. Bravo, bravo, bravo. C'est génial. Oui, c'est abordable en tout cas, c'est bien. Comment vous sentez? Ouais, je suis hyper content. Je pense que ce match-là, on le rapporterait. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À demain pour la suite.